direct. Les SS français. Je suis en ce moment sur le quai de la gare de l'Est, ce quai qui a vraiment maintenant son histoire, que ce soit pour les prisonniers libérés ou pour les travailleurs. Eh bien ce soir c'est tout autre chose. Sur le quai, beaucoup d'uniformes kaki mêlés aux chemises bleues des partis nationaux et aux uniformes Felgrau des légionnaires de l'Est. Un très important contingent de la Légion des volontaires français contre le bolchevisme part pour le front de l'Est et, coïncidence émouvante, dans ce même train part un contingent de Waffen-SS français. C'est ainsi un double symbole de la participation de la France au combat européen. Nous sommes sur le quai, parmi la foule, devant les wagons couverts d'inscriptions, je vois « Vive la France, vive l'Europe, mort aux Juifs, vive la LVF, vive les SS ». Tous sont penchés aux fenêtres, des jeunes filles distribuent des bouquets de fleurs. Eh bien, je vais essayer de m'approcher des wagons où sont les légionnaires et d'en interroger quelques-uns. ...1943, gare de l'Est. Des soldats partent sur le front russe. Ils sont français, mais ils portent l'uniforme de l'armée allemande, la Wehrmacht, qui depuis 1941 recrute des volontaires dans toute l'Europe occupée. Quelques-uns appartiennent à la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, la LVF, créée pendant l'été 41. D'autres, les plus jeunes, portent sur leur col les deux lettres de cette garde prétorienne créée par Hitler dans les années 20, l'élite du mouvement nazi, la SS. Ils appartiennent à la 7e brigade d'assaut de la branche militaire de la SS, la Waffen-SS, et font partie de ces quelques milliers de Français qui, pendant la guerre, auront porté l'uniforme allemand avec la bénédiction du maréchal Pétain. Message au colonel Labonne, commandant la Légion des volontaires français contre le bolchevisme. À la veille de vos prochains combats, je suis heureux de savoir que vous n'oubliez pas que vous détenez une part de notre honneur militaire. En participant à cette croisade dont l'Allemagne a pris la tête, acquérant ainsi de juste titre à la reconnaissance du monde, vous contribuez à écarter de nous le péril bolchevique. C'est votre pays que vous protégez ainsi, en sauvant également l'espoir d'une Europe réconciliée. En fait, en entrant dans la Waffen-SS, notre idée, c'était pas d'entrer dans l'armée allemande, alors nous n'appartenions pas officiellement à la Wehrmacht, à la Heer, exactement, nous entrions dans une armée européenne. Henri Fernet. Les gens la portaient évidemment le même uniforme, mais il y avait les spécifications européennes, et nous battions dans un intérêt commun qui était l'intérêt de l'Europe. Il y avait un intérêt commun, c'était de préserver l'identité de l'Europe, c'était de préserver également la sécurité de l'Europe. Encore une fois, depuis Stalingrad, en tout cas ça a été mon cas, c'est vraiment après Stalingrad que j'ai eu conscience de cette menace qui venait de l'Est. Cette menace n'était tout de même bien réelle, puisque à la fin de la guerre, on a eu tout de même la domination soviétique sur une bonne moitié de l'Europe. Combattre la menace bolchevique. C'est aussi l'argument invoqué par le chef du gouvernement de Vichy, Pierre Laval, lorsqu'en juillet 43, il autorise des Français à s'engager dans la Waffen-SS. Beaucoup y vont par anticommunisme, quelques-uns par esprit d'aventure ou par désœuvrement. Presque tous militent dans des mouvements prêts à pousser très loin la collaboration. Le PPF de Jacques Doriot, le RNP de Marcel Déat, le MSR d'Eugène Deloncle, le francisme de Marcel Bucard, et bientôt la milice de Joseph Darnand. Ils partagent presque tous la même fascination pour le nazisme et la haine de ses alliés, dont les bombardements ravagent les villes françaises, comme Nantes, où habitait Roger Ribertot. Pour moi, ce sera la catastrophe. L'école technique à laquelle j'appartiens, l'ensemble des élèves seront tués. Nous serons peut-être 4 ou 5 survivants. Et c'était déjà un des premiers drames personnels. Ensuite, d'autres bombardements viendront, que tout le quartier sera détruit, la maison familiale sera également endommagée, il faut fuir. J'ai un traumatisme, quelque chose. Cela va produire un choc dans mon psychisme, un choc considérable, ça c'est sûr. Et à ce moment, je prends une opposition un peu contre tout ce qui sera le monde adulte.
Et en 43, j'ai donc 17 ans et j'ai vécu un tas d'événements personnels qui vont me modifier mon comportement et qui vont m'amener à réfléchir. D'autant plus qu'à ce moment-là, c'est le régime de Pétain, de Vichy, qui dirige, qui anime la plupart des grandes villes et des écoles. Le matin, c'est nous chantons l'hymne au maréchal Pétain. Voyez-vous, on va utiliser par exemple le mot « révolution nationale ». C'est un mot important parce que nous les jeunes qui sommes pris dans cette tourmente de la guerre, que nous ne l'avons pas désiré ni manifesté aucun désir de la faire avec les autres peuples européens, nous allons saisir en somme les propositions qui nous sont faites. Oui, une révolution, il faut qu'elle soit nationale. Je vais adhérer aux jeunesses nationales populaires. Je veux vivre autre chose. D'ailleurs, les slogans à l'époque, avec d'autres camarades, c'est « la jeunesse doit être dirigée par la jeunesse ». Nous nous battons pour ce slogan. La force d'un pays dépend de sa jeunesse. Nous voulons aussi une société mixte avec les filles. Ce n'est pas rien de se réunir à l'époque, de faire une réunion le soir avec des jeunes filles, les familles s'y opposent, c'est pas dans les mœurs. Donc c'est une véritable révolution qui va se faire. Et à partir de là, nous allons retrouver une autre identité. Et nous sommes persuadés que la chance de la France, c'est l'Europe. En 1943, le chef du gouvernement français, avec l'accord de M. le maréchal Pétain, autorise les Français à s'engager dans la Waffen-SS. Le chef du gouvernement, vu les actes constitutionnels numéro 12 et 12 bis, le conseil de cabinet entendu, décrète. Article 1er. Les Français peuvent contracter un engagement volontaire pour combattre le bolchevisme hors du territoire dans les formations constituées par le gouvernement allemand, Waffen-SS, pour y être groupés dans une unité française. Article 2. Ceux qui appartiennent à cette unité combattront effectivement hors du territoire. Article 3. Le présent décret sera publié au journal officiel et exécuté comme loi de l'État. Fait à Vichy le 22 juillet 1943. Pierre Laval. Pourquoi j'y serais pas allé ? Henri Fernet. On a le tort, voyez-vous, d'isoler les volontaires français, de l'ensemble des volontaires européens. Nous étions environ 600 000 volontaires européens dans la Waffen-SS. C'est tout de même un chiffre qui mérite qu'on s'y arrête. Alors, nous, les Français, nous représentions un nombre relativement faible. Au maximum, nous étions une dizaine de milliers. Mais à côté de nous, il y avait des Flamands et des Wallons, qui étaient dans des unités différentes d'ailleurs. Il y avait des Hollandais, il y avait des Danois, il y avait des Norvégiens, il y avait des Suédois, il y avait des Finlandais, il y avait des Anglais, il y avait des Irlandais, il y avait même des Portugais, il y avait des Espagnols, il y avait des Suisses, il y avait des gens de Liechtenstein, il y avait des Estoniens, des Lettons. Il y avait des Polonais, enfin des gens qui appartenaient à l'ancienne Pologne, mais qui n'étaient pas ethniquement des Polonais. Il y avait des Russes, des Ukrainiens en particulier, de diverses nationalités russes. Il y avait des Albanais, il y avait des Croates. Il y avait des gens pratiquement de toutes les nationalités européennes. Il y avait même des gens qui venaient de Bohême-Moravie. Il y en avait de partout. Il n'y a pratiquement pas eu un pays d'Europe qui n'ait pas envoyé de volontaires chez nous. Il y avait même le fils du président de la République d'Islande, qui était chez nous, qui était dans la même école d'officiers que nous. Jeune Français, la Waffen-SS t'attend. Engage-toi dans le régiment français de la Waffen-SS. La Waffen-SS constitue la troupe d'élite qui combat à l'Est contre le bolchevisme. À côté de volontaires allemands, la Waffen-SS est composée de volontaires norvégiens, danois, hollandais, flamands, wallons et suisses, auxquels viennent s'ajouter maintenant des volontaires français. La constitution d'unité française au sein de la Waffen-SS vient d'être autorisée. Les Français travaillant en France ou en Allemagne, s'ils remplissent les conditions requises, peuvent s'engager dans ces unités, quel que soit leur poste ou leur emploi.
conditions d'engagement. À l'exception des Juifs et de ceux qui ont encouru une condamnation infamante, tous les Français, célibataires ou mariés, normalement développés, aptes aux exigences d'une instruction militaire, peuvent s'engager à la Waffen-SS. Âge 17-40 ans, taille minima 1,62 m. Il y a 15 jours, un entrefilet dans les journaux annonçait que le gouvernement autorisait les jeunes Français à s'engager dans les formations des Waffen-SS, formation d'élite de la Wehrmacht. C'était un pas de plus de la France dans la lutte contre le bolchevisme. 15 jours se sont écoulés, au cours desquels les engagements se sont faits de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, le premier contingent de Waffen-SS français va quitter la France pour aller prendre sa place au premier rang des armées européennes. Nous avons voulu saluer ces jeunes Français, dignes de nos traditions militaires, avant leur départ. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui au siège des Waffen-SS français. Eh bien, nous sommes maintenant parmi tous ces jeunes qui se sont engagés dans les Waffen-SS et qui vont partir. Eh bien, pourriez-vous me dire, vous, monsieur, je vois votre boutonnière, l'insigne du francisme, pourquoi vous êtes-vous engagé dans les Waffen-SS ? Bien, je me suis engagé dans les Waffen-SS pour aller d'abord combattre le bolchevisme. Et que faisiez-vous dans la vie ? Dans la vie, j'étais bureaucrate. Eh bien, ça doit vous apporter un certain changement à votre existence, dites-moi. Oui, un peu. Pour combien de temps êtes-vous engagé ? Ben, pour une durée illimitée, je ne l'ai même pas demandé. Vous êtes engagé jusqu'à la victoire. Vive la France ! Vive la France ! Arrive enfin, fini le voyage. Un vieux copain vient vous sauter au cou. Il a l'air heureux, on l'est davantage. Car en sortant tout, vous en fiche un coup. Le long des rues, c'est refrain de chez nous. Ça sent si bon la France. Sur un trottoir, ce clochard aux yeux doux, ça sent si bon la France. Ces gens qui passent en dehors des clous, ça sent si bon la France. Les moineaux qui vous effleurent, la gouaille des titis. Paris midi, dernière heure, oh, ça sent bon le pays. Henri Fernet, avant de vous engager dans la Waffen-SS, vous êtes entré dans la milice créé par Darnan en 1943. Pourquoi vous êtes-vous engagé dans la milice, puis dès l'été 43 dans la Waffen-SS ? Dans la situation difficile où la France se trouvait à cette époque, alors que le gouvernement français se trouvait privé pratiquement de tous les atouts qui pouvaient justifier l'existence d'un gouvernement français, il n'y avait plus qu'une force, c'était celle qui pouvait résulter de l'union des Français autour de l'autorité qui gouvernait. J'ai pas tardé à me rendre compte que, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et je me suis senti un peu privé de liberté, un peu piégé en quelque sorte. J'étais entré dans une aventure qui m'a paru très vite sans issue. Parce qu'il y a une chose dont j'ai toujours eu horreur et dont j'ai toujours horreur, c'est la guerre civile. Et je sentais déjà à cette époque la guerre civile qui montait, qui venait, et je ne voulais à aucun prix y être mêlé. Et véritablement, j'étais assez perplexe lorsque, à l'été 43, est arrivée la nouvelle que les Français pouvaient s'engager dans la Waffen-SS. Et c'est là que j'ai compris que finalement, les clés du problème n'étaient plus en France. N'était plus en France, en fait, le sort de l'Europe se jouait sur le front de l'Est. L'Europe n'a pas trop de toutes ses énergies, à l'usine comme au front, pour vaincre le bolchevisme. Jeunes Français, ne pensez-vous pas que votre place est à l'avant-garde dans la lutte contre l'ennemi commun ? Pour les engagements et pour tout renseignement, adressez-vous 12 rue Aubert et dans les permanences régionales. En Allemagne, ne va pas.
Mon père, à qui je m'en étais ouvert, l'avait déconseillé. Roger Héberto. C'était quelque chose. Si vous voulez, on était une douzaine de jeunes qui avions vécu les bombardements de Nantes, et nous parlions très librement à l'époque. Un de ses camarades est parti dans la résistance. Deux autres sont partis dans les ordres. Ça voulait dire que les jeunes, vous ne voulez pas rester neutre. La condition journalière, c'était quand même le marché noir, la prostitution. Nous étions dans un état moral très, très, très difficile. Et ceux qui voulaient réfléchir voulaient en sortir d'une façon ou d'une autre. Donc, c'était, j'ai dit à mon père, c'est un appel irraisonné. Dans la mesure, j'ai senti cette puissance mystique comme des racines qui m'appelaient, rien n'aurait pu me retenir, ça c'est sûr. On avait l'impression que c'était le subconscient qui se manifestait. Henri Fernet. Surtout quand on est jeune d'ailleurs, on agit beaucoup plus par instinct que par raison, surtout par raisonnement. Ce n'est qu'après que à froid, si vous voulez, on démonte en quelque sorte le mécanisme de ce qui s'est passé, mais sur le moment, il y a un instinct qui vous pousse à l'action, qui vous pousse à l'engagement, et finalement, pour moi, cet engagement, j'ai senti ça un petit peu comme une libération. Jamais je ne me suis senti aussi libre qu'à cette époque. C'est le 25 avril que nous signons notre engagement. Nous partons d'abord à Paris, après une fête mémorable d'ailleurs. L'officier allemand qui avait signé notre engagement nous avait invité à un petit vin d'honneur et nous avait présenté à d'autres camarades de passage. C'était très simple. Nous sommes partis sur la caserne de Billancourt où nous avons retrouvé peut-être une centaine de gens de différentes régions de France et sont partis par le train dans des vieux wagons couverts d'inscriptions avec un enthousiasme délirant. Vous étiez content de partir? C'était la fête. J'ai devant moi quatre Français, quatre Waffen-SS qui vont partir tout à l'heure. Eh bien, quelles sont vos dernières impressions? Les impressions sont très bonnes. Je suis content d'aller dans les SS et j'espère qu'on batte pour la France. Bravo, et vous? Depuis 20 ans, je pense à l'Europe. J'ai pensé à l'Europe dans les rangs des INP et actuellement, je pense même donner mon sang pour l'Europe. C'est magnifique, vous êtes tous pleins d'un enthousiasme. J'en vois qui se penchent par la fenêtre. Il y en a un qui fait partie d'ailleurs des milices françaises. Je vais essayer de m'approcher et de leur faire dire quelques mots. Ancien collaborateur de la France au travail, le Tellier, je dis bonjour à tous les amis du journalisme français. Je crie mort aux Juifs. Milice française, je vous le montre que l'Europe vaincra. Vous voyez, je ne peux même plus arriver à parler. Tous les jeunes SS sont absolument couverts de fleurs. J'en vois qu'ils sont penchés à la portière, qui disent au revoir à des amis sur le quai. Dans quelques minutes, le train va partir. Je vais vous décrire ce tableau qui est plus qu'émouvant. Devant ce train qui va s'ébranler dans quelques secondes, tous les SS sont penchés à la fenêtre, le bras tendu. Sur le quai, la foule chante la Marseillaise, le bras tendu. On ne peut pas décrire l'atmosphère qui règne ici, c'est plus que poignant. Il suffit de les écouter. Et voilà, vous entendez le train qui s'éloigne. Je ne fais pas partie de ces intellectuels qui réfléchissent avant. Christian de Lamazière, engagé dans la Waffen-SS en août 44. Je fais partie de ces gens relativement bien éduqués, dans le domaine éducation complète, intellectuel et le reste, qui réfléchissent après. C'est pourquoi j'aime beaucoup ce mot de Drieu, cette phrase de Drieu La Rochelle que j'ai mis en exergue de mon livre, et qui dit « Je suis plus fidèle à l'attitude qu'aux idées. Parfois les idées ne rentrent plus dans le cadre de l'attitude, mais l'attitude, c'est quelque chose qui sera notre véritable reflet, qui est le reflet de l'âme et de l'esprit. »
Christian Damasieur, vous êtes donc proche du nazisme quand vous, entrez dans la SS. Pas vraiment. Je vais le devenir. Nous arrivons à Sénem en 1944, à cet immense camp d'entraînement. Roger Héberto. Qui pour nous, nous semble déjà une concrétisation de notre rêve, parce que nous verrons des quantités, plusieurs milliers de jeunes, une camaraderie extraordinaire. Et c'est ainsi que nous prenons conscience que l'Europe devient une patrie, la terre des pères, qu'il faut défendre. Sennheim, porte de l'avenir. Le volontaire qui arrive à Sennheim n'est jamais un SS. C'est à Sennheim qu'il le devient. Quand il débarque, il a, soit dans le cadre d'un parti, soit individuellement, combattu pour le réveil de la France, mais il n'a qu'une vague idée du national-socialisme. C'est pourquoi on le lui fait connaître, sans faire de propagande démagogique, sans hurler sur tous les tons, du vindicatif au persifleur, que les juifs sont des vilains, que les juifs sont des méchants, que les juifs sont des sous-hommes. On lui montre ce que sont les juifs en réalité, en quoi ils sont des sous-hommes et pourquoi il faut s'en débarrasser. C'est une besogne d'information qui est faite à Sennheim, et c'est la plus solide. Aucune propagande ne pourra plus jamais rien la contre. Le volontaire sait définitivement que les juifs sont des métis. Et quel métissage! Il sait qu'ils sont dangereux, et il sait quels sont les moyens à appliquer pour régler à l'unanime satisfaction des Ariens la question juive. La même chose vaut pour la maçonnerie, le marxisme, l'Angleterre. On cherche à tirer de l'exemple allemand le plus d'enseignement possible. On cherche à faire de la France de 1944 ce que le Führer a fait de l'Allemagne de 1933. Sennheim est à l'avant-garde de la recherche du national-socialisme français. Philippe Merlin, SS Unterscharführer. Ich bin ein freier Wildbrettschütz und hab ein Waldrevier. Ich bin ein freier Wildbrettschütz und hab ein Waldrevier. So weit die braune Heide reicht, gehört das Jagen mir. So weit die braune Heide reicht, gehört das Jagen mir. Que saviez-vous à l'époque des persécutions dont les Juifs étaient victimes? La propagande nous avait montré du côté, si vous voulez, allemand et sur le côté français, que tous les postes économiques étaient tenus par des Juifs, ce qui montrait certainement leur intelligence quelque part. Mais les structures économiques étaient dirigées sur le monde juif. Et du fait qu'ils avaient des responsabilités économiques, ils étaient quand même mêlés à la défaite quelque part. C'était les pointes les plus extrêmes que j'avais sur l'évolution du monde juif. D'autant plus que moi, je n'étais pas... j'avais été baptisé, j'avais l'âge de 10 ans, je crois. Donc le problème religieux, que ce soit catholique ou juif, dans ma famille, ça n'avait pas une grande importance. Et cette propagande-là, comment dirais-je, elle vous a impressionné? Vous avez... Elle m'a impressionné, oui, quelque part, c'est fait, car j'ai senti que la vie économique de la ville où j'habitais était prise par un côté de gens qui appartenaient à une religion et qui économiquement dirigeaient la ville. C'est vrai que ça m'a marqué quelque part. Christian de Lamazière, c'est pendant l'été 44, alors que commence la libération, que vous entrez dans la Waffen-SS et vous êtes envoyé d'abord au camp d'instruction de Wilflecken en Allemagne, puis à celui de Janowitz en Tchécoslovaquie. Janowitz, plus que Wilflecken, a été pour moi l'exemple extraordinaire. D'abord parce que nous étions que des Européens, avec quelques Allemands. Et cette école a été exemplaire par l'entraînement, par la façon dont nous étions dirigés par un colonel extraordinaire, blessé je ne sais combien de fois... qui était un personnage fantastique, et puis aussi parce que, jouxtant notre camp, il y avait un camp de concentration, et les concentrationnaires s'occupaient de la
de la matérialité de l'intendance du camp. Il balayait, nettoyait, faisait la cuisine, etc. Et voici que de nouveau nous parviennent du camp d'instruction d'Allemagne où les Waffen-SS français s'apprêtent à devenir des soldats européens. Voici que nous parviennent de nouveau quelques reportages qui sont signés de Bertrand Nicole, de Jacques Barthaud et de Pierre Agnel, correspondant de guerre français auprès des Waffen-SS. Voici une interview bien intéressante, celle de l'officier qui a commandé l'instruction des Waffen-SS français. Nous avons eu une impression, une très bonne impression des jeunes soldats français. Et ils sont venus ici avec toute la bonne volonté. Ils sont trouvés dans des situations un peu étrangères, mais ils s'y sont trouvés. Ils ont donné beaucoup de soin au sport, parce que là, on peut développer bien des qualités de soldat. Et voici maintenant que l'instruction est terminée pour beaucoup des Waffen-SS français. Sous les acclamations de la foule allemande, ils partent pour la gare qui les emmènera vers le front. Le but de l'éducation que nous donnions aux gens, c'était d'abord l'éducation des réflexes. Henri Fernet. Chez nous, l'essentiel, c'était précisément de conditionner les gens, d'avoir des réflexes aussi rapides que possible, de façon à pouvoir avoir la maîtrise totale, la maîtrise absolue de son corps. C'était une véritable libération. Libéré, en somme, des contraintes physiques. Il était le maître absolu de son corps, de ses muscles, de ses réflexes. Ça, c'est absolument essentiel. Apprendre à se coucher, et tout ça c'était fait scientifiquement. Tous ces mouvements qui étaient destinés précisément à donner le maximum de souplesse, de rapidité, de mobilité, de réaction, étaient décomposés exactement pour arriver à une précision absolue des mouvements. L'entraînement est quand même très dur parce que le latin que je suis va rencontrer quand même une instruction très germanique avec une rigueur, une précision, j'allais dire diabolique. Donc c'était le réveil à 5 heures, il fallait se tremper dans l'eau glacée, une demi-heure après il fallait prendre la tenue numéro 1, la tenue numéro 2, il fallait se traîner un petit peu dans la boue, on passait à de la boxe. Il y avait une inspection avec des gants blancs, il fallait tout recommencer, c'était lancer la grenade, c'était la mitrailleuse sur le terrain, et c'était quand même pas léger pour les jeunes, avec les caisses de munitions, et que je te recommence, et que je te recommence, avec une férocité très germanique de langage. Si bien que les premiers jours, il faut bien avouer qu'on était KO, et le soir, il fallait reprendre encore cette mitrailleuse, on nous bandait les yeux, et on éteignait la lumière, il fallait la démonter, la remonter, et la récompense, c'était de pouvoir prendre la belle tenue et de défiler. Et là, les instructeurs, ils essayaient de nous juger pour voir si nous, Français, on était dignes d'être dans la Waffen-SS. Et les Français avaient à cœur de bien réussir, on se piquait au jeu. Et il fallait après faire une simulation de combat, on partait dans une colline, c'était très très dur. Vous étiez fier, autrement dit, d'en faire partie ensuite? Oui, j'étais très très fier. On pensait que Hitler Union ou les autres SS étaient passés dans ce conditionnement. Et que, en fait, ça répondait à l'officier de recrutement qui m'avait dit « Oh oui, mais troupes d'élite, avec mépris, c'est pas fait pour les Français. »
Donc, si vous voulez, on gagnait notre récompense. C'était quand même très nouveau pour nous, parce qu'on incarnait quand même le soldat politique. Alle untreu werden, so bleiben wir doch treu. Dass immer noch auf Erden für euch ein Fähnlein sei. Gefährten unserer Jugend, ihr Bilder besserer Zeit, die uns zu Männertugend und Liebesgut geweiht. Après quelques semaines d'instruction, à Zenheim ou à Wittflecken, comme tous les SS, les Français se font tatouer leur groupe sanguin sous le bras et prêtent serment, en allemand, à celui qui est désormais devenu leur chef, Adolf Hitler. Christian de Lamazière. La prestation de serment, alors là, c'est quelque chose de plus sérieux, parce que, incontestablement, plus spirituel. Les thèmes, on les connaît. Ils remontent dans la nuit des temps. Entre deux chaînes, on vient, c'est tous ces cultes de votants, etc. C'est vraiment les grandes traditions celtiques, germaniques, etc. Donc, dès ce moment-là, le sermon, c'est un peu comme, pour moi, ça a été un peu comme cette époque où, au Moyen-Âge, on adoubait, on faisait un chevalier et on l'adoubait. Il rentrait dans une famille de pensée, et à travers cela, il fortifiait l'honneur qu'il avait eu d'accepter l'uniforme, les couleurs de son clan. Et je crois que ça a été un peu ça. Pour ceux qui réfléchissaient, c'était solennel, discret, imposant, et je trouve merveilleux. Wir kommen zum Eid. Ich schwöre dir, Adolf Hitler. Ich schwöre dir, Adolf Hitler. Als Führer und Kanzler des Reiches. Als Führer und Kanzler des Reiches. Treue und Tapferkeit. Treue und Tapferkeit. Ich gelobe dir. Ich gelobe dir. Und den dir von dir bestimmten Vorgesetzten. Und den dir von dir bestimmten Vorgesetzten. Gehorsam bis in den Tod. Gehorsam bis in den Tod. So wahr mir Gott helfe. So wahr mir Gott helfe. Kapitän! Achtung! Reden wir ab! Hier! Augen! Je te jure, Adolf Hitler, fureur germanique, fidélité et bravoure, je jure de t'obéir à toi et au chef que tu m'auras désigné jusqu'à la mort. Que Dieu me vienne en aide. Quel effet ça vous fait, vous qui êtes français, fils d'un officier français de Saumur, de prêter serment au chef d'un État étranger qui a occupé la France et qui l'a occupé durement, brutalement? Vous savez, je crois qu'à ce moment-là, nous sommes tous entrés dans un même moule. La réflexion se porte beaucoup plus vers le combat que l'on va faire. On sait que ça va être le combat du dernier quart d'heure. Brigadeführer SS Krukenberg, 1er janvier 1945. Volontaire, le nouvel an est pour le soldat l'occasion de regarder vers le futur.
Pour nous, dont le foyer sont attaqués ou menacés par l'ennemi, ce futur est clair. Nous formons un front commun. L'Europe est perdue ou ensemble nous vaincrons. Il n'y a pas d'attentisme vis-à-vis du bolchevisme. Chacun de ceux qui ont lutté à l'Est sait cela. Ceux qui se sont défendus contre les maquis et les terroristes en France le savent également. Nous, dans la Waffen-SS, nous avons le privilège d'être parmi ceux qui se battent en première ligne pour l'Europe. Cela exige de chacun de nous des efforts exceptionnels. Avec fanatisme et dureté, nous voulons nous préparer. Notre but pour 1945 est la libération du territoire français. Pour y réussir, il est nécessaire que chacun ici, et encore plus au front, ait une attitude conforme à la tradition des soldats français et de la Waffen-SS. Nous pensons à la devise de la SS. Notre honneur s'appelle fidélité. En criant ensemble Sieg Heil, Sieg Heil. Janvier 1945, la 7e brigade d'assaut est devenue une division, la division Charlemagne. Placée sous le commandement d'un Allemand, le général SS Krukenberg, qui essaye d'encourager les 7000 SS français qui sont sous ses ordres, en leur fixant pour objectif ce qu'il appelle la libération de la France. Alors même que les jours de l'Allemagne nazie sont comptés. Mais malgré l'effondrement du Reich, la Waffen-SS recrute encore des Français. Elle en recrutera jusqu'à l'extrême fin de la guerre. Aux rescapés de la LVF, aux survivants de la 7e brigade décimée en Galicie pendant l'été 44, s'ajoutent maintenant des Français qui se trouvent en Allemagne, travailleurs du STO, engagés de la Kriegsmarine, et 2500 miliciens qui fuyaient la France libérée et l'épuration. Leur chef, Joseph Darnan, les a incorporés dans la Waffen-SS. Devenir journal de combat de la communauté européenne. L'esprit SS n'est plus allemand. C'est la nouvelle âme commune des jeunesses européennes. Nous avons rompu avec la tradition qui faisait de l'allemand l'ennemi du français et nous avons compris la solidarité de nos destins. Nous avons rompu à jamais et la France doit enfin rompre avec un passé de décadence, avec les principes, les institutions, la culture, avec les hommes qui nous ont conduits au désastre. Nous sommes des révolutionnaires socialistes qui avons rompu avec une social-démocratie enjuivée, nationalistes qui avons rompu avec un nationalisme trop étriqué. Que la jeunesse française se lève en masse, qu'elle s'unisse comme toute la jeunesse européenne s'est unie autour de l'idéal que lui propose la SS. Alors, je vous le garantis, les médiocres survivants d'un monde pourri n'arrêteront pas longtemps son élan révolutionnaire. Joseph Darnan, SS Obersturmführer. Waffen SS, enfants de la milice, c'est nous les durs, les mecs au cœur de fer. Et nous n'avons pour utiliser nos services qu'un seul patron, un seul Adolf Hitler. Pétain, Laval, nos deux chefs responsables nous ont donné Darnan comme Führer. C'est donc à eux que nous sommes tous redevables.
d'avoir l'honneur d'obéir à Hitler. Bientôt, enfin, viendra la récompense. Notre vertu recevra son salaire lorsque nous serons accrochés à la potence. Nous crèverons au nom d'Adolf Hitler lorsque nous serons accrochés à la potence. Nous crèverons au nom d'Adolf Hitler. En février 1945, la division Charlemagne est envoyée à Hammerstein en Poméranie. Les Allemands, qui reculent depuis 2 ans, se battent désormais sur leurs frontières de 1939. À leur côté, les Français de la division Charlemagne. En se rendant à Hammerstein en février 1945, Christian de Lamazière croise des rescapés des bombardements alliés et découvre la guerre au moment où elle se termine. En partant de Wilfecken pour rejoindre la Poméranie, il y avait un long trajet difficile parce que les bombardements alliés étaient impitoyables. Nous avons fait connaissance de cette guerre dès le moment où on a vu des gares de triage relativement importantes, où la majorité de gens et même responsables étaient des gens qui avaient moins de 18 ans. Et puis nous avons croisé ce qui nous a encore plus enfoncés dans notre engagement. Nous avons appelé ce que j'ai appelé le train fantôme. Nous avons été arrêtés en pleine campagne à un certain moment. Les sirènes sonnaient. On a cru que c'était une alerte, et pas du tout. C'était un train chargé de grands brûlés. C'était pas le napalm à l'époque, c'était le phosphore. De grands brûlés, il y avait des femmes, des enfants, des vieillards, des civils, et pratiquement que des civils. Et ce train... Les fenêtres étaient clouées pour pas que les gens se jettent par les fenêtres. Nous l'avons croisé, il passait lentement et nous avons entendu pendant cette est-ce une minute, est-ce 30 secondes, c'est beaucoup 30 secondes pour une impression. C'est surtout beaucoup quand c'est une impression qui vous reste, ces gens qui brûler, continuez à brûler, car le phosphore a cette propriété. Vous en recevez une goutte, ça fait un tout petit trou et ça pénètre, ça brûle, ça continue à brûler. C'est horrible, épouvantable. Et de ce moment-là, je crois que ce sont des choses qui ne nous font pas reculer. C'est donc peut-être plus convaincu que nous avons pu passer l'Oder et tenter de rejoindre Hammerstein. À Hammerstein, quand les premiers éléments sont arrivés, les Russes, c'était une offensive générale qui partait de la Baltique et allait jusqu'au lac Balaton en Hongrie, les Russes avaient réussi des percées. Personne n'a eu le temps d'aller s'équiper. Tous les premiers échelons ont été dirigés sur l'extérieur d'Hammerstein avec le matériel d'instruction. Ce qui explique un peu les coups durs qu'ont eu ces premiers échelons. <t'en>
12 janvier 1945, les Russes ont lancé leur dernière offensive sur l'Allemagne. 3 millions d'hommes foncent sur Berlin, poussant devant eux des milliers d'Allemands terrorisés par une armée rouge qui a 20 millions de morts à venger. Au milieu de cette débâcle, la division Charlemagne qui arrive en Poméranie en même temps que l'armée rouge. Christian de Lamazière. Qu'est-ce qui se replie ? Des hommes vieux, des hommes souvent handicapés et des femmes. On a beaucoup parlé des Prussiennes et toutes ces femmes qui étaient dans ces territoires extrêmes de l'Allemagne. Elles sont belles, ce sont des superbes Valkyries qui avaient fait des enfants magnifiques. Riches ou pauvres, ils se repliaient avec leurs voitures ou avec des voitures à chevaux. Ils se replient. Ils essaient d'aller vers le centre de l'Allemagne. Ils ne rejoindront jamais l'Allemagne. Ces gens qui arrivent de Prusse orientale découvrent que ce sont des Français pour lesquels, vraisemblablement, ils n'avaient pas beaucoup d'admiration. Que ces Français que l'on dit latins, légers, sont là. Et ce sont eux qui vont essayer de les défendre jusqu'au dernier moment. Il ne faut pas oublier que l'armée russe arrivait tellement vite que parfois il débordait ses réfugiés. Il passait dessus, violait les femmes, pillait, puis continuait leur marche. Et ils se sont trouvés encerclés avec nous. Nous étions encerclés et l'ordre a été de briser cet encerclement. Oui. Il y avait une liaison avec la Kriegsmarine qui a bombardé un point fixe. Et nous sommes passés avec 10 000 réfugiés. Ce n'était pas rien. Il y avait même des prisonniers français avec nous. Il y en a même qui ont pris un fusil pour se battre avec nous. Qui ont rendu le fusil une fois le passage en disant bon ben au revoir et bonne chance. J'étais à côté d'un chariot de Poméranie, il y avait le père, sa femme et ses deux enfants, il avait un pistolet, il m'explique si les Russes me prennent, il faut tuer ma femme et vous soldats, si je peux pas la tuer, il faut la tuer. On commençait à changer physiquement, la crasse, les poux, la nourriture improvisée, commençait à faire de nous des hommes du deuxième type, ce qui était tout à fait différent à ce que nous allons devenir définitivement après, dans notre errance derrière les lignes russes et dans l'échec de notre tentative de rejoindre le gros des forces allemandes. Au bout de 10 jours, nous sommes rendus à des Polonais, sans gloire aucune, avec le seul souci de survivre et de sauver notre vie. Simplement parce que nous étions dans une ferme, que nous étions lavés, qu'on avait changé de linge, on avait piqué du linge, une ferme abandonnée, que d'un seul coup on était revenus des hommes possibles, rasés, propres, alors que depuis 15 jours nous étions bouffés par les poux, dans une crasse indicible, avec simplement la fièvre, ce que l'on voyait dans les regards de ceux qui étaient avec nous, cette fièvre qui rend l'œil halluciné, cet œil un peu drogué, où nous tuions pour manger, où nous allions piller les quelques fermes où il y avait encore des Allemands qui avaient été eux-mêmes pillés avec les femmes violées par les Russes qui étaient passés. Les Allemands avaient bon nous dire que les Russes avaient tout pris. On trouvait encore des choses à manger. Et on le faisait avec une cruauté incroyable. Le Sturmgewehr sur l'estomac de ces pauvres vieux qui ne comprenaient plus rien. Ils sont devenus des bêtes sauvages. Essayons de rejoindre un endroit défini. Nous n'y sommes pas arrivés. Il a suffi que les quatre derniers qui étaient restés avec moi, qu'on se lave, qu'on se rase, qu'on devienne propre, pour d'un seul coup baisser les bras. Dès son premier engagement en Poméranie,
La division Charlemagne a perdu l'essentiel de ses effectifs. Quelques rescapés, conduits par Henri Fernet, parviennent à échapper aux Russes en longeant les côtes de la Baltique. Le 24 avril 1945, ils sont à Neustrelitz, à 100 km au nord de Berlin, où Hitler, encerclé par les Russes, demande aux SS français de venir défendre ce qui reste du Troisième Reich. Division Charlemagne unter Ausnutzung aller Verkehrsmöglichkeiten, sofort Einsatz in Berlin. Meldung Reichskanzlei Adolf Hitler. Engagement immédiat de la division Charlemagne à Berlin en utilisant toutes les possibilités de transport. Se présenter à la chancellerie du Reich. Adolf Hitler. Quand l'ordre a été donné, on a entendu chanter partout. Les gens étaient fous de joie. Et pourtant, c'est l'ultime bataille, vous le savez. Mais il faut se remettre dans l'ambiance de cette époque. Il faut se remettre dans l'esprit de ces garçons. Il y a eu un briefing, et je crois qu'on a posé la question au Sturmführer, est-ce la fin? Est-ce la dernière bataille? Et le Sturmführer a répondu, oui, alors si c'est la fin, il faut qu'elle soit belle. Donc on allait, en fait, on avait une espèce de vide en nous, on savait qu'on allait rentrer dans l'histoire quelque part, qu'on allait forcer le destin, qu'on avait vécu des journées fantastiques et que ça allait être la fin. Alors là, c'était vraiment l'apothéose du guerrier, parce que quand même, on était dans un ordre guerrier avec certaines règles, certaines doctrines. Les gars étaient tous volontaires pour Berlin, c'est important aussi. Nous battre le plus possible. Votre état d'esprit à ce moment-là, je crois que... Ah, mais il était excellent, excellent. Nous attendions la fin et je pense que chaque camarade voulait finir dans une très grande dignité. On ne pouvait plus reculer, on était encerclés, les combats étaient d'une violence, le PC était entouré de cadavres, on avait jusqu'au bout encore quelques liaisons quand même, oui. Et c'était un combat de titans. Berlin, la ville la plus bombardée du monde, Berlin, la ville la plus punie du monde, parce que d'elle est sortie la plus grande misère du monde. Berlin, qui a voulu le triomphe de la force, meurt aujourd'hui du triomphe de la force. Elle a voulu la mort des femmes et le cri des enfants. Elle les connaît aujourd'hui. Elle a voulu régner sur des villes mortes et elle agonise aujourd'hui à son tour avec ses plaies ouvertes et ses tripes à l'air. Laissez passer la justice de Dieu. Je voudrais faire revivre cette ambiance. Dans une ville, vous avez ces maisons qui brûlent, les pans de murs, les maisons qui s'écroulent, les immeubles qui s'écroulent. Alors, la fumée des incendies, la poussière qui se dégage des murs qui s'écroulent, par moments, c'est totalement irrespirable. Nous ne savions pratiquement même plus où nous étions. On ne faisait même plus la différence entre le jour et la nuit. Il y avait parfois des accalmies dans les bombardements. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait. Au milieu des accalmies, nous entendions les hurlements des femmes. C'était atroce. Tuer. Tuer. Nul n'est innocent parmi les Allemands, ni les vivants, ni ceux qui ne sont pas encore nés. Suivez la prescription du camarade Staline et écrasez pour toujours la bête fasciste dans son enfer. Brisez brutalement l'orgueil racial des femmes allemandes. Prenez-les en juste butin. Tuez, vous, les braves soldats de l'armée rouge, qui foncez toujours en avant. Il y a Ehrenburg. Le 1er mai 1945, l'amiral Dönitz annonce la mort d'Adolf Hitler, qui s'est suicidé la veille. Le 2 mai, les hommes d'Henri Fernet apprennent que Berlin a capitulé et qu'ils ont perdu la guerre. Soldaten der deutschen Wehrmacht. Unser Führer Adolf Hitler ist gefallen. Tiefst
C'était exactement comme si le ciel nous était tombé sur la tête. Il n'y avait plus rien. C'était le saut dans le néant. Il n'y avait plus d'espoir. Rien, rien. C'était le néant total. L'écrasement complet. Nous n'étions plus rien. C'était même pas question. Finalement, la vie n'avait plus de sens. Quand la vie n'a plus de sens, on ne tient plus, même plus à la vie. Arrêté par les Russes dans les couloirs du métro de Berlin, Henri Fernet est envoyé en prison en France, où il retrouve Christian de la Mazière et Roger Ribertot. Condamnés à des peines allant de 5 ans de prison à 20 ans de travaux forcés, ils seront libérés sous la 4e République. Malgré la libération de la France, malgré leur défaite, malgré la découverte des atrocités nazies, aucun d'entre eux ne regrette aujourd'hui d'avoir appartenu à la Waffen-SS. Si la guerre s'était terminée autrement, que la victoire ait été de notre côté, croyez-vous que j'aurais regretté? Autrement dit, vous n'aurez... Par conséquent, il n'y a pas à se culpabiliser. Je n'ai qu'un seul regret, voyez-vous, après coup. C'est de ne pas m'être engagé plus tôt. Roger Ribertot, ces événements dont vous venez de parler, je crois pour la première fois, se sont produits il y a beaucoup d'années. Est-ce que aujourd'hui, vous regrettez d'avoir fait le choix que vous avez fait en 1944 ? Absolument pas. Il partait de quelque chose de profond, d'une recherche de mes origines, à travers une identité peut-être très ancienne, peut-être une identité de culture celte, certainement la société française dans laquelle je vivais foutait le camp. Non, j'ai fait un choix, je l'ai assumé, je n'ai jamais rien regretté. Je n'ai pas à rougir. Nous n'avons pas, les uns et les autres, ce que nous avons fait à titre personnel et à titre collectif, nous n'avons pas à rougir de ce que nous avons fait. Nous ne sommes pas indignes, et si les autres le pensent, le principal est que le regard que l'on porte sur ceux qui étaient avec nous hier, de pouvoir dire « c'était des gens bien et je les admire », je pourrais vous dire ça de Fenet, de bien d'autres, ce sont des gens que j'aime, c'est ma famille, c'est ma deuxième famille, c'est ma famille spirituelle. Je ne vais pas au seuil de mon existence les renier. Je les ai oubliés à une certaine époque parce qu'il fallait que je négocie ma vie. Je ne vais pas non plus négocier mon éternité en vivant sur un reniement. Il n'en est pas question. C'était l'histoire en direct, les SS français de Hitler, avec les témoignages d'Henri Fernet, Roger Ribertot et Christian de la Mazière. Texte lu par Christophe Allwright et Roland Vaden. Archivina et documentation, Philippe Caffin, Annie Saulnier, Stéphanie Katz et Philippe Jondeau. Mixage, Jean-Louis Boissonnade et Nathalie Fadeau. C'était une émission de Patrice Gélinet, réalisée par Christine Bernard-Sugy.